Bonjour. Bonjour. Vous êtes David ? Tout à fait. Donc c'est vous l'initiateur de cette belle exposition de scooters ? Le coordinateur, on va dire, oui, de l'exposition pour animer un plateau scooter avec la grande marque historique Vespa, sa petite sœur jumelle qui est Lambretta et un plateau avec les scooters du reste du monde. Voilà, donc on a coordonné l'exposition chronologique qui présente 40 ans de distribution Vespa en France, de la toute première en 1950, le modèle V13T, aux portes des années 90 avec le dernier modèle, la Cosa, qui se nomme encore Vespa sans vouloir l'être, puisque c'était une période où on voulait faire disparaître le nom Vespa, ça il faut le savoir. Voilà, donc la chronologie retrace 40 ans de la vie de la machine, ses évolutions techniques, l'apparition des 50 cm3, les lignes qui se tendent d'année en année pour aboutir aux dernières productions plus connues de nos concitoyens, notamment années 80, 90 et 2000. Et 2000, le tournant du millénaire qui amorce l'arrivée de la nouvelle Vespa automatique telle qu'on les voit pulluler aujourd'hui dans nos villes. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la Vespa se vend toujours aussi bien et qu'elle est toujours en tête des ventes de scooters en Europe et dans le monde entier. Le mot scooter en fait est extrapolé du terme motoscooter, qui est un terme né dans les années 30 aux États-Unis, qui a véritablement initié la mode du scooter en tant que tel qu'on l'a connu. Et on est le seul pays au monde à appeler scooter scooter en fait. La terminologie exacte c'est motor scooter. On a sur le plateau une quarantaine de machines qui permettent, alors presque de manière exhaustive, de présenter toute la gamme évolutive de ces 40 années. Et derrière nous, sur la partie accueil du Vespa Club de France, fédération française qui fête cette année ses 70 ans,
on a quelques machines complémentaires pour illustrer ce panel incroyable, riche de 70 années d'existence, en l'occurrence pour le Vespa Club de France, mais en tout cas de présence de Vespa en France. Ça représente la Fédération française, qui regroupe des clubs affiliés aux quatre coins de France. Et chaque club localement va gérer l'animation de son salon. Et en l'occurrence, le Scooter Club lyonnais, qui est affilié à la Fédération française Vespa Club de France, tous les ans, habituellement, tient stand sur le salon Epoque Auto. On est un peu plus de 1500 membres qui regroupent 55 Vespa Clubs. C'est un chiffre très honorable qui ne cesse de grossir avec une dynamique qui s'amplifie depuis 10 ans. Et donc autant de machines, voire plus. Et bien au-delà d'ailleurs, puisque chaque vespiste de club possède à minima bien évidemment une machine, mais 90% d'entre eux en possèdent 2, 3, voire bien plus que ça. Le cinéma a beaucoup popularisé la Vespa ou le scooter, alors je ne sais pas comment on dit. La Vespa en tant que telle particulièrement, alors le scooter oui de manière très générale est très souvent présent dans les films, alors, essentiellement les films des années 50, la Vespa encore plus que tout le reste puisque le génie et peut-être que sa physionomie a attiré les producteurs de cinéma, mais effectivement on la voit dans de nombreux films, Vacances romaines en tête. Mais bien au-delà de Vacances romaines, une multitude de films français célèbres comme En cas de malheur, j'en passe énormément, mais présente la Vespa. Et tout récemment à la télévision. Alors tout récemment à la télévision, dans une production italienne, oui, alors j'imagine que c'est fait référence au film sur l'histoire d'Enrico Piaggio, ou clin d'œil d'ailleurs même, film dans le film à Vacances romaines, mais qui a tendance un petit peu de manière très très romancée à présenter le film Vacances romaines comme l'élément qui a sauvé Piaggio de la banqueroute, ce qui n'était absolument pas le cas puisqu'en 52, au moment où le film a été tourné dans les rues de Rome, Piaggio est au firmament, la Vespa se vend déjà sur les 5 continents et Piaggio a déjà de très gros moyens financiers. Profitons du salon et du magnifique espace dont on jouit. Je suis ému et fier de vous présenter un ouvrage qui retrace de manière totalement exhaustive l'apparition de la Vespa en France, sa naissance. Voilà, un ouvrage de quasiment 300 pages qui retrace toute l'histoire de la Vespa française et surtout les prémices, comment tout a commencé. Je m'appelle Didier Bailly, je suis collectionneur de Vespa anciennes et passionné surtout par les Vespa militaires. Je suis un ancien parachutiste. J'ai quelques véhicules qui ont été utilisés par l'armée française, par les parachutistes en Algérie. Voilà, j'ai apporté ici 3 exemplaires un peu rares comme Vespa, parce que c'était produit seulement 500 exemplaires. Voilà. En quelle année ? En 1956. Ça a été produit à 500 exemplaires en 1956 et utilisé en Algérie pendant la guerre d'Algérie de 1956 à 1961. Et alors moi, je suis passionné d'histoire, donc j'essaye de retrouver des témoignages. Donc la Vespa était parachutée en même temps que les soldats ? J'ai des photos, des tests effectués. Ça a été utilisé parce que j'ai des photos en Algérie d'opérations, tout ça. Mais dire d'être parachuté sur le terrain, je ne pense pas. J'ai été amené par véhicule, par avion, par bateau. Mais j'ai des photos, j'ai une vingtaine de photos d'époque qui avaient été faites à Pau pour les essais de parachutage. Mais c'était pas top, quoi. Et donc la moto servait à quoi exactement sur le terrain d'opération ? La moto, elle servait à déplacer le canon 75 sans recul, que vous voyez qui est équipé dessus, ou évacuer les blessés, comme ici j'ai un TAP qu'on appelle ça communément, ça s'appelle un Vespa TAP, qui a été équipé d'une remorque qui a servi pour évacuer des blessés des zones de combat. Elle a servi dans toutes les unités parachutistes. Donc la 25e division, la 25e DP et la 10e DP, la 10e division parachutiste et la 25e. Donc ils reprenaient le 9e RCP, le 3e RPIMA, le 2e RCP, le 1er REP, le 2e REP, tout ce qui était parachutiste en Algérie, quoi, uniquement les paras qu'on utilisait en Algérie. Pourquoi uniquement les paras ? Je ne sais pas, parce que c'était des unités d'élite et on a essayé de trouver un petit véhicule qui se faufilait un peu partout pour faire des reconnaissances à mon avis. Utilisé, j'ai des photos d'Algérie utilisées sur le terrain pour des opérations. Mais malheureusement, pas de photos avec les canons dessus. À mon avis, trop lourd à manier, à conduire.
Et l'armée française a été la seule à utiliser la Vespa ou il y a d'autres armées? Non, c'est la seule guerre qu'on a utilisé la Vespa, c'est l'Algérie entre 56 et 62. Et c'est le seul. D'ailleurs, c'est une Vespa sous licence qui a été fabriquée, c'est pas italien, c'est une Vespa qui a été fabriquée ici en France, dans la Nièvre. C'est ça le thème de. Aujourd'hui, on fête les 70 ans de la Vespa française, 1952-2022. Et c'est ça que je suis là, parce que ce sont des Vespas françaises, quoi. C'est pour ça que je suis venu ici avec les Vespas françaises. On va rentrer dans l'univers du scooter français et du scooter rare, autre que le Vespa de Lambretta. La définition du scooter, c'est un deux roues, petite de préférence deux roues, avec un plancher plat ouvert qui permet de monter dessus et non pas de chevaucher comme une moto, et une mécanique qui est carrossée, qui est protégée de tout. Parce que quand on fait de la moto, il faut s'habiller en guerrier, et il faut les bottes, il faut un pantalon de cuir, parce qu'on a l'eau, la poussière de la roue avant sur les chaussures, parce qu'on a la pluie sur les genoux, sur le ventre. Et puis quand tu crèves en moto, et vas-y que tu défais la roue, tu défais la chaîne, une fois que tu as défait la roue, la chaîne, tu sors le pneu, la chambre à air, tu frottes, tu colles la rustine, tu gonfles, ça marche, tu remets la chambre à air, bing, tu la perces, et merde, tu la ressors, tu remets une deuxième rustine, tu remets la chambre, jusque là ça va, tu remets la roue, la chaîne, le machin, t'as une paire de gants encore en bruit, t'as passé deux plombes et t'es encore pas reparti. L'avantage avec le scooter et ses petits trous, c'est qu'on peut mettre des roues de secours, tu t'arrêtes, tu défais tes trois boulons, tu remets ta roue de secours, tu t'en vas. Monsieur comme madame, parce que le scooter va être beaucoup fait à l'origine pour les ecclésiastiques, comme ici sur la Monégolion, puisque les anciens sont avec la soutane, donc ils peuvent pas faire de moto de manière raisonnable. Donc on va faire des engins comme ça. Et après, dans la foule des clients potentiels, on aura tous ceux qu'on utilise, le mécanicien qui dit que c'est pas la peine d'être mécano, j'ai jamais eu d'ennui, le représentant qui peut aller faire sa tournée habillé en costume, on a le médecin aussi, madame peut en faire, parce que madame n'est pas obligée de se mettre en guerrière, elle peut se mettre en robe pour faire du scooter, toujours le prêtre et même le comptable qui dit que c'est économique parce que c'est un truc qui va bien. Au début du siècle, donc 1920 jusqu'à 1930, c'est une moto de l'usine qui est habillée, qui sert à transporter monsieur le curé, et puis après-guerre, on a besoin d'un moyen de locomotion pratique, économique. Et ce n'est pas forcément Vespa qui commence le premier en 1947, puisqu'en 1938, Henri Lannoy, ingénieur de chez Paris-Rhône à Lyon, va déposer un brevet d'une patinette électrique. En 1942, il va déposer un brevet d'une patinette scooter à moteur. Et en parallèle, AGF, Paul Vallée et Bernardet vont démarrer l'industrie du scooter parce qu'ils croient à cette espèce de voiture, en même temps que Vespa et en même temps que Lambretta. Il faut remarquer, étant donné que Vespa domine les ventes, Lambretta court après derrière, tous les copains vont à un moment vespatiser, comme je dis, leurs engins pour arriver à chercher le marché. Donc, cette espèce de coffre qui faisait son charme et qui était identifiable, on va se glisser vers la Vespa, et en particulier le guidon, on dirait vraiment un guidon de Vespa, pour essayer de proposer un truc qui soit dans la tendance. L'industrie du scooter va s'écrouler en 61 à fond. 58, on a le permis qui est obligatoire pour les 125, on a les taxes, on a les assurances, on a les jeunes qui partent à la guerre d'Algérie pour de nouveau. Donc du coup, ça pénalise. Et puis tous ces jeunes qui ont connu la guerre, qui se sont connus, monsieur avait ça, madame avait celui-là, ils sont mis ensemble, ils ont eu des enfants, 1, 2, 3, 4. Il y a un moment, le scooter ou la voiturette deviennent compliqués. Donc on se dirige vers la 2 chevaux qui est disponible en 56, la 4L qui arrive en 61. Donc à un moment, nos scooters deviennent obsolètes et ils ont une durée de vie assez courte. Donc quand ils arrivent un peu tard, ils s'essoufflent et on en a très peu de diffusés. On voit des carrosseurs, Bonjour Sébastien. Bonjour. Nous sommes déjà rencontrés au salon de la moto de Lyon. C'est ça. Et là nous sommes à Époque Auto. C'est ça. Donc quelle est cette moto devant toi? Mandy Héroux, marque de moto française qui est sortie de 1924 à 1954, fabriquée a priori dans les environs de Paris. Cette moto qui est présente ici est la première mini-moto connue, on va dire, de marque française qui pouvait rouler sur la route. On les voyait souvent
aux mains d'enfants, mais également aux mains d'adultes. Et surtout, ce type de moto a étonnamment un palmarès au Bol d'Or de 1934 à 1938 dans la catégorie petite moto. Un moteur, c'est un 98 cm3 de marque Sache, à deux vitesses. Vitesse à la main, sur le côté du réservoir, on voyage à la main, et pour celle-ci, lorsqu'elle sera restaurée, ce sera une poignée tournante pour l'accélérateur. Mais en 1933, lorsqu'elle est sortie, il y avait un accélérateur à poignée, pas poignée tournante, avec une petite gâchette. Il fallait également régler l'avance à l'allumage avec une autre gâchette. Un autre monde au niveau du pilotage. Pour avoir essayé, il faut quand même être assez habitué à ce genre de choses. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le stand de Bike Eco. Oui. Avec des motos classiques et anciennes. Tout à fait. Nous sommes basés à Vitrolles, dans le sud de la France, à 30 km au nord de Marseille. Et nous emportons effectivement depuis des années maintenant des motos classiques du Japon, très très majoritairement, à raison d'un conteneur tous les mois et demi, 50-70 motos tous les mois et demi, belle fréquence. Alors quelle gamme de motos ? De tous les styles, hein, oui. D'après-guerre jusqu'à 1992, puisque nous sommes en 2022, pour que les motos puissent être immatriculées en collection pour la plupart d'entre elles. Tous les styles, hein, du trial à la sportive, en passant par le cross, la routière, les mini, les grosses, les Harley, les sidecars. C'est très complet. Même des motos américaines qui viennent du Japon. Même des motos américaines qui viennent du Japon, tout à fait. Des VMAX, bien sûr, avec ou sans V-Boost pour les amateurs de sensations fortes. Alors, comment fait-on pour les immatriculer, ces motos ? Alors, il y a deux cas de figure possibles, et je vais passer la main à ma collègue Elodie qui va vous en dire plus. Alors, Elodie, comment faites-vous ? Donc, nous passons principalement par la FFVE pour les motos donc de plus de 30 ans. Et ensuite, pour les motos donc de moins de 30 ans, pardon, nous passons par les conformités constructeurs. Donc, si je comprends bien, la FFVE délivre un certificat. Exactement. qui permet à la moto d'être éligible en collection. Exactement. Et ensuite, comment procède-t-on pour la carte grise ? Ensuite, je procède par simplement une déclaration auprès de l'ANTS, enfin une demande d'immatriculation auprès de l'ANTS. Donc en fait, vous faites tout de A à Z ? De A à Z, c'est une... Bien sûr, toutes nos motos sont fournies, enfin sont vendues avec les papiers nécessaires à leur immatriculation. Certains clients le font eux-mêmes, d'autres nous demandent de le faire pour eux, moyennant financement.
Eh bien, écoutez, comme d'habitude, je remercie toujours les 3A, l'association des 3A, des amateurs d'automobiles anciennes de Lyon, qui nous accueille ici au salon Époque Auto pour cette motobécane de 1926. 900. 900 à ma gauche dans l'année. 900, c'est ici pour cette motobécane. 900, c'est enceinte, monsieur. 1000. 1000 euros ici, alors. En voulez-vous dans l'allée à 1000 euros, au-dessus de 1000 euros. Couvre-toi l'enchère de 1500 euros. J'adjuge à 1500. Fini. Et pas de regret. Bon, j'entends pas. Combien ? 3500. 3500, c'est au téléphone. 3600. 3600. 3600 pour cette. 3700. J'adjuge à 2200. Et pas de regret. Adjugé 2200. Il s'agit de la fameuse Triumph Bonneville, donc c'est le modèle T140, c'est-à-dire c'est la version 750 de la T120 qui était en 650. La moto est en bel état, à remettre en route, et nous commençons à mettre. Alors pour la Triumph Bonneville, on part à 5000, et c'est pris. 5000 devant moi. Alors 5700, c'est ici. J'adjuge à 5700, et pas de regret. Adjugé 5700.